Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de Eyes of Terror. Alors, ce jeu, c'est un jeu que j'avais repéré à Essen il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans. 3 ans. Et j'avais vu la table, j'avais kiffé. C'était un jeu qui ressemblait à un jeu d'aventure, un jeu de pirate. Et j'en avais pas entendu parler après. J'avais vu le KS, et du coup, j'avais décidé de pledger. Et je crois même que j'avais pledgé avant, School Tales, l'autre jeu de pirate du moment. Et il arrive enfin, donc on va découvrir ce qu'il y a dans ce jeu. J'ai absolument pas suivi, je ne sais pas comment se joue ce jeu. C'est vraiment que sur la thématique, et sur ce que j'ai vu, la table qui était présentée, qui était une table de démo en plus, qui n'était pas du tout une table avec ce qu'on va vraiment avoir sur la table. Mais voilà, j'avais bien kiffé leur décor et l'ambiance qu'il y avait. La table était toujours prise, il y avait toujours des démos, donc j'avais pas pu y jouer. Et voilà, c'était la curiosité, donc c'est un case de curiosité. Donc on va quand même, je pense, on est quand même sur le thème des pirates et des horreurs. On a même un peu de Cthulhu, parce que c'est la mode. On voit bien les reflets avec la caméra au-dessus. Donc ça, ce sont sûrement des boîtes d'extension. Donc c'est en allemand et en anglais. Donc c'est en plusieurs langues. C'est une édition bilingue. Qu'est-ce qu'on a ici? Un livre d'aventure. Un plateau de terreur. Des cartes d'exploration. Des minions. Des lieux. Des tuiles. Tout ce qui fait un parfait jeu. Hein, on est d'accord. Des tuiles, des cartes, des dés. Et des figurines. Bon, les figurines, c'est pas obligé, mais... Alors, excusez-moi pour la voix, elle est un peu malade. C'est la fin de... Je sors d'une semaine un peu compliquée. Et en plus, je vais à Cannes pour présenter des... pour animer chez Catch-Up. J'espère que ça ira. J'espère que ça ira. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On va les déballer après. Je déballe toutes les boîtes. On va les ouvrir après. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Entre deux boîtes... Des livrets de... Alors, je sais pas ce que... Tales from the... Ah oui, ça donc en allemand. Et ici... Un livret d'aventure. Qui était tout seul comme ça dans la boîte, donc je sais pas pourquoi. Ils l'ont oublié peut-être. Ou c'est une correction. Donc on voit qu'à chaque fois, apparemment, ça ressemble quand même à... Donc vous avez la disposition des différents plateaux pour, en fonction du nombre de joueurs. Ah, j'arrive enfin à la boîte principale. Donc il y a pas mal d'extensions, de petites boîtes en plus. La déesse à 8 pattes, c'est une araignée. Alors les illustrations ont un style bien particulier, hein, j'aime bien. C'est le crayonné peinturé. C'est assez sympa. Donc ici, on a des miniatures en plus. On va ouvrir les boîtes. On va pas tarder à ouvrir les boîtes. Et voilà la grosse boîte. Qui fait le principal du jeu. Donc il n'y a pas de grosse boîte d'extension dans celui-là. Je pense qu'il faut... On va retirer le carton. Alors... Hop, on va retirer le cello histoire que ce soit moins brillant. Donc c'est un jeu de Voodoo Games. Ah bah c'est mieux quand il n'y a plus de cello. Donc on peut voir sur cette image un temple, des adorateurs en dessous. Évidemment nous, un petit crâne de conquistador. Enfin un crâne avec un casque de conquistador. On ne sait pas si c'est un conquistador finalement. Une épée plantée, on a le mousquet, on est à la place du... On est en point de vue. On voit un démon qui commence à apparaître au-dessus du temple. Et voilà, voilà. Donc ici... Hop, petite tranche de la boîte. Comme ça, vous profitez des illustrations aussi. Elles sont sympas. Elles ressemblent quand même pas mal à celles de School Tales. Et ici, vous avez le plateau de jeu. Donc plateau de jeu fixe. Donc il peut jouer en compétitif et en coopératif. Donc il y a chaque jeu est basé sur une aventure avec une histoire.
Soit on peut le jouer en campagne, soit on peut le jouer en histoire séparée. Donc on va mener des expéditions sur l'île ici. Donc le but du jeu à chaque fois, c'est de compléter l'aventure, hein, terminer l'aventure avec ses conditions de victoire. Et d'être le joueur avec le plus de points de victoire parce que c'est bien connu, les explorateurs cherchent des points de victoire dans la jungle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un beau plateau de jeu qu'on va pouvoir étaler, qui a l'air d'être recto verso, qui est gigantesque et très coloré et super sympa. Et voilà. Wow. Donc ici, je sais pas s'il y a un côté 4 joueurs et un côté... Ah non, en fait, il y a deux configurations. Il y a une configuration avec plusieurs petites îles. Je vais mettre droit. Enfin droit, façon de parler. Voilà, vous voyez bien. Donc plusieurs petites îles ici. On a de quoi mettre les cartes sur le côté, il y a tout ce qu'il faut pour jouer. La surface est sympa, un peu tissu là. Et vous avez de l'autre côté la grande île. Vous voyez que le plateau est bien sympathique, il donne envie. Moi, rien que le plateau me donne envie. Ça, c'est, enfin, c'est con à dire. C'est vraiment con à dire, mais c'est le genre de truc quand je vois un plateau comme ça sur un salon ou bon après, il faut que les gens y jouent, mais c'est vraiment ça quelque chose qui m'attire, quoi. Ça donne envie d'aller mettre ses pions, d'explorer et de faire différentes choses. Un vieux parchemin, une vieille carte. C'est pas mal dans le thème quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte du jeu? Le rulebook. Alors, est-ce qu'il est sympathique ce rulebook? Au moins, il y a des marqueurs en bois. Je crois que j'ai des trucs à la place des marqueurs en bois. On va vérifier ça en ouvrant les boîtes. Introduction. Donc là, il est en anglais. Hein. Et je dois avoir la version allemande. Qui va partir de côté, qui va prendre moins de place après. Alors je ne sais pas du coup pour les cartes si s'il y a du texte dessus et si il y a les deux oui si il y a les deux langues sur les cartes. On va regarder ça tout de suite. Donc aperçu du jeu, le setup tout de suite. Sélectionner l'aventure. Hop. La phase d'action, la fin d'une saison, les actions. Bon, ça a l'air quand même pas mal illustré, avec quelques exemples. Un peu beaucoup de texte. Disons que la répartition d'illustration est correcte. Les différentes factions. Donc les manteaux rouges, les conquistadors, Noruba, donc les Indiens, et les chasseurs. Et un résumé au dos de la règle. La règle n'est pas super épaisse. C'est sympa. En espérant qu'elle n'ait pas des trous complets dans la... qu'il ne manque pas des pans de règles complets. Des tokens. Attention, on va faire le test du token dans quelques secondes. J'aime bien, c'est assez contraste, c'est assez. Les tuiles sont crayonnées. J'adore. Ah, ça se dépunch facile. J'adore. Il faut voir sur les plus petits jetons si c'est pareil. Superbe. Super qualité. Et j'aime beaucoup le style. Hein. Coloré et crayonné comme ça, c'est sympa, j'aime bien ça. C'est assez sympathique. Donc ça va venir se mettre sur les tuiles, à mon avis. J'espère que je ne vais pas perdre de pions. Ensuite, on a. Donc ici, on a des. Les différentes factions. Alors, les plateaux sont recto verso, anglais et l'autre côté allemand. Ben, je préfère, comme ça, on n'a pas la. Chasseur, chasseur. Donc, des plateaux de factions. Donc, je pense que chaque joueur a sa faction.
excusez-moi, les Conquistadors, les Redcoats. Alors, je sais pas du tout à quoi correspond, je pense que c'est le même plateau, hein, d'un côté là, il n'y a que les couleurs qui changent. Donc c'est plutôt symétrique au niveau des plateaux de joueurs. Et donc ça, je pense que c'est les ennemis communs. Ou, je sais pas. Ou les rencontres. Ensuite, on a, ça doit être les livrets d'aventure, donc ça c'est en allemand. Mettre de côté. Et ici, un livret en anglais. Qui va. Et ça, je pense que c'est une extension ou des aventures. Avant, c'est les livrets d'aventure. Donc c'est les différentes aventures qu'on va pouvoir vivre dans le jeu. Avec les règles spéciales et la façon dont on peut jouer. J'ai aucune... c'est assez fou de dire ça, hein, mais j'ai aucune notion de la façon dont se joue le jeu, quoi. C'est le thème. Le thème me vend le jeu, en fait. Et la curiosité aussi. Alors, ici, on a d'autres petits tokens. Alors, ceux-là, ils sont plus petits. Est-ce que ça marche toujours? Ça marche toujours. Ils se retirent bien. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais on en a plusieurs. Ensuite, ah, ça c'est un truc que j'aime bien. Surtout quand c'est un caisse. On a des petits sachets. Alors par contre, faut pas des grandes mains. Alors je sais pas si c'est, j'espère que c'est des sachets de rangement parce que pour piocher dedans, j'ai pas des grosses paluches. Mais ce que j'aime bien, c'est que si moi ça se range. Je pense qu'on en a un par faction. Ah là, par contre, ça peut être un dé pour piocher. Peut-être pour des tuiles. Et ça, j'aime bien. J'aime bien voir ça dans un KS. C'est ce qui fait un peu la différence aussi. Avec des produits classiques. Donc si on a un jaune qu'on voit pas très bien, par contre, c'est la quatrième faction. Ah, il est ici. Et ici, un autre gros sac. Donc celui-là, je pense qu'on va pouvoir piocher dedans. Et qu'ici ce sera pour ranger nos factions. Alors, on a dans les trucs pas forcément utiles, bon, on verra bien. Une grosse pièce en relief, hein. Très jolie. Je sais pas à quoi elle sert, mais île de la Terreur. Donc je sais pas si c'est un truc qui a été débloqué avant la campagne. Des dés spéciaux. Alors les dés spéciaux, ils ont un coloris spécial, hein, y a pas de... Par contre, on voit pas super bien dessus. Ah, par contre... Bon, ils sont gravés, on voit quand même pas mal. Ils sont assez sympas. Hein. On voit pas vraiment beaucoup... On lit bien, hein, ça se lit bien quand même. Mais ça aurait mérité un peu plus de clarté sur les chiffres. Donc on a des dés 8 et des dés 6. Bleu et rouge. Si on voit, j'arrive à les lire. Peut-être celui-là qui est un peu plus difficile. Mais ils sont bien sympathiques aussi. Alors, on va voir des... Pour les factions. Des pièces en bois qui représentent des factions. Ça représente un bateau ici. Mais il me semble que je devrais avoir autre chose que ça. Pour représenter les différentes factions. Donc il y a le jaune, le bleu, le rouge, le violet, ce sont les quatre factions. Si je les mets comme ça. Et du coup on va voir si on a des figurines pour ces factions. Le thermo a l'air pas mal pour ranger. On verra bien si ça peut tout contenir, je ne crois pas. Surtout les petites tuiles. Et enfin, on a des cartes. On va regarder à quoi elles ressemblent, s'il y a des illustrations dessus. Alors, je sais que là, j'ouvre le caisse, je sais pas comment on joue, je sais pas à quoi servent les différents composants. Je vais peut-être faire à la fin, on va regarder un petit peu sur le livre, voir à quoi ça sert.
Alors, en termes de cartes, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, alors là, c'est une partie en allemand. Ah, ça, c'est marqué dessus, j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir d'ailleurs. Deutsche Karten, on va dire que c'est clair. C'est que des cartes en allemand. Donc ça, j'ai tout un jeu de cartes en allemand que j'ai ouvert, évidemment, parce que j'avais pas vu du bon côté. Donc on va prendre des... Donc du coup, ça fait moins de cartes quand même déjà, ça fait la moitié de cartes. Et ça, c'est des cartes en anglais. English cards. Donc elles sont quand même bien sympas, les illustrations dessus sont dans le même style, j'aime beaucoup. Hein. C'est pas trop foncé, c'est juste bien, c'est lisible. Bon, un bord noir, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais... Je vous en faut voir quelques-unes, je trouve que les illustrations, enfin je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien le... J'aime beaucoup, c'est très respectueux du thème, je trouve. Très joli, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien. C'est minimaliste et en même temps assez coloré. Posséder. Vous ne pouvez pas partir en retraite depuis un combat contre des possédés. D'accord. Je ne sais pas quelles sont ces cartes. Les cannibales. Après une négociation réussie, vous gagnez une ration. Tu m'étonnes, jeune. Ouais, elles sont plutôt, plutôt bien foutues, hein, les cartes. Il y a quand même un paquet. Le texte n'est pas trop long, donc c'est pas du texte d'ambiance, hein, c'est du texte de jeu. Un hôtel de sacrifice. Quand vous piochez une carte exploration, ou des cartes exploration, vous pouvez en piocher deux et en choisir une à résoudre. C'est ça le sacrifice. Ouais, en tout cas, elles sont pas mal. J'aime bien les illustrations. Ça reste dans le thème. Je suis pas déçu par ça. Alors, on a vu qu'on avait nos planches. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte de base. Alors, est-ce que je vais trouver les factions? Voilà, c'est ça que je cherchais. Le miniature pack. Qui donc va nous permettre de remplacer nos différents jetons en bois par des miniatures. Mais par contre, c'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'on peut très bien jouer le jeu avec ça, avec les pions en bois. J'espère que elles sont assez belles, les figurines, qu'on n'est pas à s'en passer pour jouer avec les pions en bois. C'est pas que ça me dérange, parce que parfois, dans un jeu de stratégie, c'est assez sympa d'avoir des couleurs assez voyantes ou des pièces assez voyantes. Parfois les figurines, on s'en rend pas trop compte. Mais là, vu qu'il n'y a pas trop de pièces diverses, je pense que ça peut être sympa avec les figurines. Alors peut-être pas en jaune, j'ai toujours peur du jaune en figurine, parce qu'on les voit très peu. On voit mal plutôt, ça ressort mal. Est-ce que je vais réussir à ouvrir sans... Voilà. Attention. Donc ça, on va parler des figurines. Ah, c'est quand même ça, c'est quand même autre chose. On va pas cacher notre joie. Je vais prendre lesquelles? Je vais prendre les rouges. Ou les mauves, elles passeront mieux à la caméra peut-être. Alors, on a... Je sais pas qu'elles sont... Elles sont petites les figurines, mais elles sont quand même pas mal, elles ont plein de détails. Donc ici, on va avoir... Est-ce qu'elles sont différentes? Ah, il y en a quelques-unes de différentes. Donc voilà les figurines. Elles sont vraiment petites, hein. Par contre, elles sont assez détaillées vu la taille. Je ne sais pas si on les voit bien. Avec j'ai un petit peu d'ombre, de lumière liée à mes projecteurs. Mais en tout cas... Ça change. Donc je pense que c'est un cube sinon. Donc ça c'est un cube. Voilà la représentation du cube. Et on a une autre version qui est la version bouclier.
Voilà. Donc c'est quand même sympa. Et sachant qu'en fait, chaque faction va être. Là, ici, j'ai les chasseurs, je crois. Ouais, elles sont vraiment belles, les filles, hein, là, je trouve. Ça, c'est un chasseur. Donc vous voyez que c'est quand même mieux qu'un cube de couleur. On a vraiment une distinction des unités. C'est pas la même unité avec une couleur différente seulement. La forme est différente. Ça fait petit soldat plastique. Mais ma foi, je trouve que c'est bien agréable. Et pour chaque faction, on a. Alors les bâtiments, par contre, sont les mêmes entre les factions. Donc on a les petits. Ça, c'est ce qui remplace les petites rondelles du jeu. Hein. On voit qu'il y a des petites rondelles ici dans le sachet. Donc il y a un bateau aussi. Et les gros cylindres, ça va être les maisons. Donc là, on a des petits jetons comme ça. Sympa. Et le bateau, sympa aussi. Alors c'est vraiment, c'est un bateau 2D représenté en 3D. On dirait un aplat avec du relief, mais c'est bien. Parce qu'au moins, il n'est pas fragile. Donc il ne s'est pas cassé avec comme certains bateaux dans d'autres jeux, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style. Pour les bateaux, je pense que. Ouais, ce sont les mêmes avec des couleurs différentes hein, pour les bateaux. Et on a des petites cahutes pour les tours. Donc ça remplace les gros cylindres. Donc voilà, ça, je pense que sur le plateau de jeu, ça va rendre forcément de façon bien sympathique les lieux où on va poser nos forts. Donc ça, c'était pour l'extension figurine. Donc je regrette pas l'avoir pris. Je trouve que ça amène vraiment, quand on a un jeu, même si c'est un jeu de stratégie avec du thème, je trouve que ça amène énormément à la présence sur la table. C'est ce qui attire l'œil, c'est ce qui m'a attiré dans le jeu. Donc ça c'était l'extension figurine. Donc on va voir ce qu'il y a dans les autres boîtes d'extension. Là j'ai une faction supplémentaire. Hein. Donc alors celui-là par contre les autres factions, on va regarder tiens. Parce que pour le coup les autres factions je ne vais pas les avoir avec les. Woku Faction Expansion. Ah! Alors attention. En fait ici l'extension Woku doit sûrement posséder peut-être des cartes en plus. Les jetons en bois. Et en fait, ça, c'est l'extension figurine pour la faction. Donc, ils ont vraiment fait en sorte que le jeu puisse être joué qu'avec les pièces en bois, sans figurine, sans supplément de coups de figurine. Donc, ça, c'est la faction pour le jeu, avec les pièces en bois. Et là, vous avez le supplément qui correspond aux miniatures de la faction. Et ben, on va regarder ça. On va regarder ça. Bon, j'ai toujours une petite appréhension sur les jeux où il y a enfin, des jeux qui ont l'air prévus quand même pour du compétitif et qui sont jouables en coop ou en solo. J'ai toujours peur que le côté compétitif soit plus intéressant, surtout sur un jeu d'exploration ou de conquête de territoire. On verra en y jouant si c'est avéré. Je sais pas, mais le carton est en. C'est, je sais pas si vous voyez, le carton, la surface du carton, elle est en, comme un peu comme certaines cartes, comme un peu tissé avec de la toile dessus. Très agréable. C'est pas très épais en carton, mais c'est très solide. Donc qu'est-ce qu'on a dessus? Alors pour la faction, on a une petite planche de pions. Donc, je pense que ça sert pour les plateaux de joueurs. Une petite explication en allemand et en anglais. Donc les citoyens des côtes chinoises. Ah et donc en fait non, les Woku faisaient peur aux citoyens de la côte chinoise. Alors bah, le petit plateau pour les Woku. Les fameux pions, je vais les remettre avec les autres.
Alors, du coup, on aura le petit sac qui va avec. J'aime beaucoup les détails, hein, mais ça s'en est et c'est bien sympa. Alors, est-ce que je vais mettre les figurines dedans? Par contre, je suis pas sûr qu'elles tiennent. Ah, le petit détail qui tue, c'est que je sais pas si elles tiendront dedans, les figurines. Mais les pièces, par contre, en bois, oui. Donc, c'est une faction supplémentaire. Et là, je vais pas faire la bêtise, j'ai un paquet en allemand, je ne l'ouvre pas. Et un petit paquet de cartes pour la faction en... Je pense que c'est pour cette faction-là, ou pour ajouter au jeu en anglais. Donc c'est tout ce qu'on a dans la boîte de faction. Alors bon, je suis quand même désolé de voir du plastique et du carton et du plastique utilisé pour très peu de choses. C'est dommage. Je pense qu'il pourrait faire des économies de coûts, surtout pour les pièces en bois, pour faire plutôt en sachet. Tant pis, c'est moins beau. Mais pour une extension comme ça, c'est super grand. Ça contient rien, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Autant pour les figurines, je peux penser que c'est là pour protéger. Autant pour les pièces en bois, on est à la merci du packaging. Hop, hop. Et donc on va voir les miniatures pour la faction en question. Donc les mêmes bâtiments qu'on avait, le bateau tout en vert. Bon, ça vous voyez déjà. Et cette fois-ci, qu'est-ce que ça représente? Ça représentait beaucoup. Donc il y a toujours un général, j'ai l'impression, c'est celui qui est illustré. Hein. Il y a toujours un général qui est présent. Je les aime bien, elles ont quand même pas mal de détails, des petites erreurs de bavure, là, mais elles ont quand même pas mal de détails pour des petites figurines comme ça. Je pense pas que je les peindrai, hein, mais c'est bien sympa. C'est bien sympa. Et est-ce que j'ai un autre type de... Alors, donc c'est-à-dire que ça c'est une faction en plus, jouable. Donc j'imagine quand même que les... Regardez les cartes de faction, qu'elles apportent un côté asymétrique au jeu. Sinon j'ai pas l'intérêt de différentes factions à part une couleur en plus. Ou pour jouer à plus. English card, ok. Donc là c'est l'illustration du bateau, du général. Réaction, action. Mais elles sont... Ah si, elles ont quand même un dos qui est limité à... Alors on a ces cartes-là qui sont limitées à la faction, alors que celles-là, j'ai l'impression qu'elles sont valables pour tous. Et celles-là sont dédiées à la faction. Alors par contre, est-ce qu'elles sont vraiment différentes? Il faudrait que je regarde ça. Je vais regarder ça. Faisons une pause pour nous intéresser plus au jeu qu'aux éléments de décor. Est-ce que je trouve des cartes de faction? Là, j'en ai voir, là. Enfin, je crois. Ici, je vais en avoir. Alors, j'ai pris mon paquet anglais, c'est pas une bonne chose. Oh oh oh! Les petites cartes, elles glissent quand même pas mal. Putain, j'ai fait une connerie sur celle-là. Alors. Où est-ce que j'ai des cartes de faction ici? Ah, ça c'en est. Non, non, non. Ben, je vois pas où sont mes cartes de faction. Ah si, ça s'en est peut-être. Donc ici on a réaction, action, action. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes quand même. Action. Ah, c'est les mêmes cartes en plus. Hein. J'ai l'impression que c'est les mêmes cartes. À part qu'il y a une couleur différente et des illustrations différentes. Ah bah ce sera à voir. Je les mélange un peu toutes. Ce sera à vérifier, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément asymétrique. Et que ça fait une couleur en plus finalement. Bon. À voir.
Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Ben, en fait, les autres, je pense que ce sont des factions supplémentaires. Et donc à chaque fois, je vais avoir la faction, donc les coloniales. Enfin, je vais peut-être vous éviter d'ouvrir les boîtes, on aura la même chose. On a une faction supplémentaire et les unités qui vont avec. Donc là, c'est très German. Ça, par contre, c'est vrai que c'est différent. Voilà, celle-là, l'extension, la déesse à 8 pattes. On va l'ouvrir parce que elle, par contre, c'est des aventures supplémentaires. C'est un set d'aventures avec trois nouvelles aventures consécutives qui peuvent être jouées séparément ou en campagne. Donc il y a des lieux en plus. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Et ici, le dernier, c'est... Ah bah les deux dernières, ça va être ça. Donc en fait, au niveau des factions, donc j'ai les Colonial Corps qui viennent en plus. Donc ça fera 3, 4, 5, 6, 7 factions. Et les deux autres extensions sont des extensions d'aventure. Donc ça, c'est bien. Donc l'extension d'aventure, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? J'ai mis un bordel sur mes cartes. Alors, je vais un petit insert en plastique. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, effectivement, on a un truc qui est mal coupé d'ailleurs. Hop. Donc, ça, c'est en allemand. Un livret d'aventure avec quelqu'un qu'on connaît, hein. Un habituel des jeux maintenant. C'est presque. C'est l'oncle d'Amérique, hein. On le revoit tout le temps. Donc différentes cartes. Une campagne, trois aventures consécutives. Donc il y a des lieux précis. On va retrouver toutes les horreurs du culte, j'ai l'impression. Mais c'est bien, ça me fait penser un peu avec Toulouse Death Medaille et des scénarios. Donc ça veut dire que potentiellement on va pouvoir jouer les scénarios. Quand on les aime bien, choisir celles pour ceux qu'on va rejouer. Sans qu'il y ait. C'est pas spécialement narratif, donc je pense que c'est très rejouable. Il y a un peu d'histoire. The Great Old One, 93-95. Donc à voir comment ça se joue et comment on place les tuiles sur cette carte. En fait, l'île sera toujours la même, mais il y aura des dispositions dessus qui vont changer en fonction des setups qu'on va devoir faire. Il y a un épilogue pour l'histoire, c'est toujours sympathique. Petit coup de fluff. Des tokens en plus, toujours avec le même style, donc c'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Et puis effectivement, vous voyez qu'on a une planche. Dans le jeu de base, on avait les maraudeurs, les dévastateurs et les savages. Et ici, on se retrouve avec trois. Donc c'est des minions. Donc je pense que c'est des planches de minions, ça justement. Des minions différents. Et là, pour le coup, ils sont différents du jeu de base. Ils font pas la même chose. Quoique. Non. Il y a un setup. Ouais, non, c'est différent. C'est bien différent. Donc des cartes en anglais, des cartes en allemand. Ça en fait du. Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir une double édition, mais ça fait beaucoup de gâchis au niveau des cartes. Parce que les cartes en allemand, je m'en fous un peu. Donc d'autres cartes avec encore des illustrations sympas. Pour l'extension. Hop. Et donc la dernière extension d'aventure,
qui va mettre fin à notre unboxing. Alors c'est vrai que les unboxings c'est jamais super passionnant non plus. Enfin, ça permet de voir le contenu d'un jeu. Ça peut. Enfin moi rien que le plateau. Je verrai le plateau, je dirais, tiens, celui-là, faut que j'aille voir ce que c'est que ce jeu. Mais bon, ça permet d'avoir faire une petite curiosité vidéo. Pour moi, c'est moins de boulot. Hein. Je dépiote le jeu et je fais pas trop de montage. Je blablate. Alors, le KS, il arrive à une période où j'ai beaucoup de jeux que je veux faire en vidéo. Et vu que j'avais la crève, je vous raconte ma vie, hein, ça vous dérange pas. Vu que j'avais la crève, bah, je n'en ai pas fait. Alors, dernière boîte. Et du coup, j'ai une pile de jeux qui attend à être joué d'une part, pour que je fasse les règles, que je fasse quelques parties, pour pouvoir faire les vidéos ensuite. De l'allemand, et bien, quand je me mettrai l'allemand, je le lirai. La fameuse araignée. Donc par contre, pour les ennemis, il n'y a pas de miniature. On n'a pas de grosse araignée en miniature. Les illustrations, elles sont très légères. Très, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont bien sympas. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais c'est bien sympathique, tout ça. Donc des tuiles, avec on voit de la toile. Donc ça, je pense que les tuiles sont de lieux spécifiques au scénario, qu'on va placer à différents endroits ici. Après, il y a des valeurs dessus, donc je ne sais pas si c'est pour le conquérir ou autre. Et une planche de minions encore différent pour cette aventure. Donc ça veut dire qu'on a 3 sets de minions différents pour le jeu avec les extensions. Donc il y a un peu de variabilité. Variabilité ou de variation et de rejouabilité. Des cartes avec une des illustrations pour le. Donc qui sont associées au scénario. Et du plastique et du plastique. Alors, je vais faire une vidéo bientôt, j'en profite. Hein. Donc c'est tout, on s'arrête là pour Kickstarter, c'était Eyes of Terror, un jeu de Voodoo Games, dont le case vient d'arriver. Voilà la boîte, voilà l'air de jeu. Les règles n'ont pas l'air trop longues, donc peut-être que je pourrais faire un setup rapide et voir comment ça se joue. Je ferai un retour dessus si le jeu me plaît, et si j'ai le temps, et si j'arrive à le maîtriser complètement. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je pense bientôt faire une vidéo sur les accessoires. Hein, parce que là, je vous fais voir des trucs en plastique qui ne servent pas à grand chose, une fois qu'on a déballé tout ça. Sachez par exemple que ça, moi je les mets de côté, dans la mesure du raisonnable au niveau du stock, pour les réutiliser pour d'autres boîtes de jeux. Par exemple, pour faire des inserts dans des boîtes de jeux, pour des rangements, pour des tas de cartes par exemple. Si vous avez des petits tas de cartes, ça peut tenir dans une boîte classique, à côté d'autres matériels. Donc ça, je m'en sers parfois pour ranger d'autres boîtes de jeu. Si c'est pas pour le jeu en question, c'est pour un autre jeu, ou pour mettre sur la table, pour piocher les pions, pour ranger. Ça peut être pratique. Je pense que je ferai une vidéo, un de ces quatre, sur les accessoires de jeu. J'en ai quand même pas mal maintenant. Peut-être parfois trop. Tout ce qui est pour les cartes, pour le rangement, c'est assez bien foutu. Notamment un truc que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps avec le jeu School Tales d'ailleurs, une boîte qui fait des petits thermos qui se ferment et qui peuvent se découper pour agencer comme on a envie les pions dans la boîte. Donc ça sert aussi bien pour ranger le jeu que pour mettre sur la table. Donc je pense faire une vidéo de ce genre de choses bientôt, une fois que j'aurai fait quelques jeux, bien sûr. Sur ce, voilà, c'était Eyes of Terror, un nouveau KS qui vient d'arriver, encore un. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.